ben, ses concurrents ils rentrent et les moutons ne sont pas sortis. Si jamais le chien les voit là-bas. Il va aller là-bas et pas... Ah ben c'est arrivé ce matin. Hein. Ah. Ouais. Alors, 67, il s'agit de Kent Hendrick qui vient d'Autriche avec son chien Dell. Partez à droite. Voilà. Parti pour une bonne recherche. Il faut environ 20 secondes pour que le chien arrive au fond. Là, c'est trop ouvert. Il ouvre un peu trop. Les juges n'aiment pas ça. À mon avis, perdu 5-6 points là. Oui, il arrive. Donc voilà, là va commencer la prise de possession. Fin de recherche, prise de possession. Voilà, ça a bien démarré. Ce qu'on regarde, c'est le démarrage des brebis. Hein. Bonne. Les brebis sont à 20 mètres des barrières centrales. Alors, l'air d'être propre, bien conduit. Les coups de sifflet très net, très, très marqué. Ce qui compte, c'est vraiment des lignes très droites. Voilà. Que les moutons marchent ou trottinent. Voilà. Là, on arrive sur la fin de la menée. Mais tant que le contournement n'est pas fait, la menée n'est pas finie. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que le cercle sert à quelque chose ? Le cercle ? Oui. Dans l'amener, non. Il sert après, il faut le tri, enfin la séparation au single, doivent se faire toujours à l'intérieur du cercle. D'accord. Il sert à ça. Il fait 37 mètres de large, de diamètre. Mmh. Voilà, c'est un beau travail. Jusque là. Ça me semble bon, ça. Dell. Autrichien. Mm.
Voilà, vous voyez, moutons et brebis marchent ou trottinent calmement, bien dans l'alignement. Le chien est bien aligné. Il n'y a pas beaucoup à rectifier, à part là, il suffit que je le dise. Voilà, mais bon, vous voyez, il n'y a pas d'à-coup dans la conduite, ça fait pas des gauches-droites, quoi. Ah, ça, c'est beau. Voilà, ah, je pense que le virage un petit peu. Ouais, c'est bon, très bien. Ouais. Un très bon virage. Voilà, il est un petit peu haut, donc il rectifie par une petite droite. Voilà, je pense qu'il va remettre une gauche rapide. Voilà. Là, il est bon. Et quand on fait la transversale comme ça, ce qu'on doit regarder, c'est pas le chien, hein, c'est les brebis de tête et surtout loin devant. Pas regarder, jeter un coup d'œil aux barrières là-bas qui sont encore à 150 mètres. Pour essayer de garder la ligne qui est partie d'un point et qui va au milieu des barrières. Alors c'est assez. Oula, moi je mettrai une gauche rapide. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, je pense que ça va être un beau parcours. Même un beau virage. Voilà, donc maintenant ça se joue un peu là des fois. Hein. On l'a vu avec d'autres chiens. Les brebis qui refusent un petit peu de venir par là. Mais c'est un chien qui semble assez puissant. Il est très aux ordres. Il est très bien conduit. Très beau triangle. Tout est calme. Les brebis ne sont pas stressées, pas fatiguées. C'est important que les brebis arrivent détendues au milieu. Et non pas haletantes et fatiguées et énervées. Voilà, très belle séparation. Je pense que là, il va faire carton. Là. Donc le parc toujours à 10 points, forcément, c'est pour tout le monde pareil.
Donc chaque présentation va être pénalisée. Par exemple, là, à mon avis, il y a un point qui a sauté. Voilà. Tant que les moutons sont dans l'axe d'entrée, bon, on peut compter comme bon. Mais dès que ça déborde un peu de l'axe de la porte, tout peut être pénalisé. Vous voyez, le conducteur se recule, c'est pour redonner un peu d'espace aux brebis pour qu'elles s'écartent du bord où elles auraient pu s'échapper. Là, c'est très très bien conduit. Hein. Très bien conduit. Voilà. Bon, ben je pense que ce jeune homme, nous le verrons en finale. S'il fait le single. C'est assuré là. Oh, je pense. Ouais. J'ai pas vu tout le monde, mais. M'étonnerait qu'il soit pas dans les 6 premiers. Un chien très noir, moi j'aime beaucoup les chiens très noirs. Border Collie est à la base un chien noir, à panache blanche limitée. C'est-à-dire que quand on regarde un border, on doit avoir l'impression de voir un chien noir, avec un petit peu de blanc. D'accord. Voilà, et non pas un chien blanc avec des taches noires. Voilà. Ça c'est la couleur de base. Voilà. Et comme dans toute race, toute espèce, on doit toujours revenir à la base. Voilà. Le noir, c'est le chien, c'est le prédateur, c'est le chien qui fait peur. Voilà. Et qui fait peur, entre guillemets, mais qui en impose. Un chien, pour ça que les chiens de protection sont de couleur grise ou blanchâtre, ou blanc. Très bien, très bien. Voilà. Il n'a pas bougé, il a respecté le règlement. Voilà. Très beau parcours.